Hello tout le monde. Ah, attendez deux petites secondes, j'ai un truc à régler. Hop. Alors bonjour à tous. Je vous ai mis une petite animation de démarrage. Là, l'idée c'était de présenter un site avant de démarrer, donc qui n'a pas de rapport, mais c'est un truc sur lequel je travaille là depuis quelques temps, enfin ça fait depuis quelques années. Merci pour le resub, les Tax Ninja et Léo. Alors attendez, Shader Toy. Non, pas avant un stream, ni après même d'ailleurs. Zutrek. Ouais, la petite intro là, que je vous montrais, là, en fait, elle est issue de ce site-là. Donc, c'est un site dans lequel on peut construire des animations graphiques en travaillant sur des shaders. Et je suis en train de préparer des petits trucs là-dessus. Merci Poulka66 pour le follow. Donc, je suis en train de préparer des petites activités dessus. J'en ferai peut-être un peu plus tard dans la semaine ou dans le mois. Je voudrais faire un truc d'ici la fin de l'année 2020. Donc voilà, si vous avez l'occasion d'aller jeter un coup d'œil sur shadertoy.com. Vous avez aussi des trucs un peu du même style sur GLSL Sandbox. GLSL Sandbox. En général, elles sont un peu moins bien faites, les animations ici, là. Bon, on a des trucs assez chouettes qui peuvent être codés, tout ça, du coup, en n'utilisant que des formules mathématiques. Voilà, bah, je vais essayer de vous faire un petit truc là-dessus un peu plus tard, quoi. Donc aujourd'hui, on se voit pour parler de système Unix de manière générale et des signaux en particulier. Alors bonjour tout le monde. Magic7, Joutray, les Tax Ninja, Bastrox, Ordox, etc. Chantilly Game est là aussi. Alors, que je reprenne un petit peu mes fiches. Merci pour le sub, VI. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'en fait, on va commencer à aborder une notion assez particulière pour communiquer entre les processus, qui sont les signaux. A priori, jusqu'à maintenant, on n'a pas vraiment eu l'occasion de communiquer entre signaux. Et si on devait le faire, bah finalement, on a un moyen d'y arriver, qui sont la communication interprocessus. Merci, Isaigazbio. Oh, c'était pas le plus simple. Donc, pour communiquer entre différents processus, un truc qu'on pourrait faire, par exemple, là, entre mon programme 1 et mon programme 2, c'est je pourrais faire en sorte qu'ils puissent communiquer ensemble, s'ils se mettaient à lire et à écrire, depuis et vers le même fichier. Là, on va utiliser un autre moyen de faire ce genre de truc, qui sont les signaux. Donc là, je vous montre assez rapidement ce que j'ai préparé là. Donc j'ai un makefile dans lequel j'ai ma config pour réaliser un programme en SFML, et l'idée c'est que je vais pouvoir, enfin en CSFML pardon, et l'idée c'est ce que je vais essayer de communiquer avec ce programme depuis un autre programme PROC2 qui lui, bah, typiquement il n'utilise aucune librairie, il va juste essayer de communiquer avec ce premier programme. Donc dans le cadre de ce premier programme, réalisons d'abord une première itération qui va être juste là pour créer une fenêtre et la colorer en une couleur par défaut. Et voilà. Donc, on va créer une fenêtre. Donc, c'est un SF render window. Donc, SF render window create. Ok. Donc, vous vous souvenez, ça prend un mode, ça prend un titre, pardon. Ça prend un style et puis ça prend des settings que j'initialise à nul. Le mode vidéo mode, je vais dire que c'est une fenêtre qui est en 800-600, 800 par 600 en 32 bits par pixel. Et puis je vais utiliser des assertions. Donc vous vous souvenez, assert, c'est une macro qui fait planter le programme à la ligne sur laquelle on l'appelle, afin que je vérifie certaines conditions. Donc moi, je veux m'assurer que là, le programme, j'ai pas envie de faire de la gestion d'erreur, j'ai envie de m'assurer que le programme, j'ai bien récupéré une window, et que si j'ai pas réussi à en récupérer une, je le fais planter là, parce que l'idée,
L'idée, c'est que je vais essayer de montrer quelque chose avec une window. Donc, si elle se crée pas, ça ne m'intéresse pas. Merci pour les bits, Warsoft. Donc, Safrander Destroy. Window. Hop. Alors. Et puis maintenant, j'ai ma boucle d'itération, ma boucle de jeu. Et ma boucle de jeu, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que tant que ma window elle est ouverte, eh ben je fais des trucs. Donc les trucs que je vais faire, c'est que je vais récupérer tous les événements qui sont lancés dans, que la fenêtre est capable de capturer à l'aide de la fonction pollEvent. Merci pour le sub. Du coup, je vais récupérer les événements de ma fenêtre. Je vais remplir la structure event que je passe par adresse. Je la déclare ici. Merci pour le sub, Warsoft. Et ici, je vais récupérer le truc qu'on s'était dit. La base là, c'est si on a un événement de type close. Donc, si le type de mon événement, c'est un événement de type SFEvent close, alors je ferme la fenêtre. Ok, SF render window close window. Et puis, ici, je vais juste décider de clean ma fenêtre en bleu, par exemple. Hop, en utilisant la fonction clear. Donc vous vous souvenez, la fonction clear, c'est une fonction qui permet d'effacer, de réinitialiser tous les pixels de la fenêtre sur une couleur donnée. Donc là, pour l'exemple, je vais utiliser le bleu. Et puis là, je vais utiliser la fonction display qui va indiquer au système d'exploitation que la fenêtre, elle vient d'être mise à jour. Et donc, du coup, elle peut la mettre à jour pour l'utilisateur. Et qu'est-ce que je vais faire d'autre ici? Ça, c'est en dehors du while, pardon. Hop. Et puis, lorsque j'appuie sur ma touche échappe aussi, avec un keypress, et si la touche, le code de la touche, c'est SF key escape, escape, ok, pareil, je quitte. Donc, je regarde un petit peu ce que j'ai. Donc, j'ai créé ma fenêtre, tant qu'elle est ouverte, je l'affiche, etc. Donc, a priori, là, on est bon. Non. Rog 1. Donc je lance mon programme. Bon là a priori vous voyez là j'appuie sur ma touche échappe, je sors, j'appuie sur la touche, sur le bouton ici, ça sort également. Ça fait quoi si on ne met pas de SF Window Clear? Bah, en fait ce qui se passe c'est si on n'en met pas, c'est juste que la fenêtre on n'est pas. Tu vois là bah, a priori là moi ça s'affiche en rouge par défaut, mais grosso modo ça affiche la couleur qui est à cet endroit-là en mémoire. Et du coup si on commence à afficher des sprites par-dessus, bah ils s'affichent en surimpression les uns les autres. Et voilà. Donc a priori juste je l'initialise avec une couleur que je maîtrise. Et voilà. Donc j'ai ma fenêtre qui s'affiche en bleu. Et voilà. Alors attendez, je regarde un petit peu. Les commentaires, a priori, pas d'autres questions de ce type. Alors, maintenant, en fait, l'idée, c'est que je vais vouloir commencer à agir avec cette fenêtre. Imaginons, par exemple, que je lance mon programme, mais on va dire que je connais pas très bien la SFML, et puis, lorsque je lance mon programme, on va dire que je récupère pas forcément les événements. Alors, je commente tout ça. Hop. On va dire qu'à chaque tour de boucle, je vais juste faire un clear et un display. Regardons ce que ça donne. Non, attendez. Je pense que ça, je suis obligé de faire des pull events en fait. Ça, je crois que c'est obligé en fait. Tant qu'on n'a pas pull les events, on ne peut pas faire le reste. Je relance. Donc voilà. Imaginons que j'ai ma fenêtre qui est comme ça. Et puis j'ai oublié de mettre. Imaginons que j'ai oublié de mettre là la gestion de ces événements-là. Alors qu'est-ce qui va se passer en fait? Si j'oublie de mettre la gestion de ces événements, eh ben, lorsque je vais cliquer sur le bouton fermeture de la fenêtre, bah, vous voyez qu'il ne se passe rien. Et donc je me retrouve un peu coincé
Et le seul moyen que j'ai d'arrêter, enfin l'un des seuls moyens que j'ai d'arrêter ce programme, vous le connaissez, c'est de revenir dans la console et de faire un CTRL-C. Et en fait, vous voyez qu'en faisant un CTRL-C, j'ai réussi à stopper l'exécution de mon programme. Mais en fait, qu'est-ce qui se passe lorsque je fais un CTRL-C? Il se passe que mon terminal envoie ce qu'on appelle un signal à l'application. Donc, le signal que ça envoie, on est capable de le réimiter en faisant quelque chose d'autre. Alors, je vais ouvrir un autre terminal à côté de ça. J'ai une commande qui s'appelle kill dans mon terminal. Et la commande qui s'appelle kill, en fait, son but dans la vie, c'est d'envoyer des signaux à un autre programme. Donc cette commande-là, elle est capable d'envoyer différents types de signaux. Et l'un des signaux qu'elle est capable d'envoyer, c'est le signal kill. Mais ce n'est pas forcément que celui-là. Mais en tout cas, elle envoie celui-là. Ou le signal interrupt. En fait, lorsqu'on va faire un CTRL-C, qu'est-ce qui va se passer? Comment dire, mon shell, mon terminal, qu'est-ce qu'il va faire? Il va envoyer le signal interrupt à l'application qui vient juste d'être exécutée. Donc, essayons de refaire un peu ce truc-là, mais en utilisant la commande kill plutôt que de faire un CTRL-C. Donc, vous voyez que cette commande, elle a besoin d'un code de signal envoyé et elle a besoin de ce qu'on appelle un PID. Et le PID, en fait, c'est quoi? C'est l'identifiant du programme en cours d'exécution. Donc, chacun des programmes, lorsqu'il s'exécute, il a un PID. Si je regarde un petit peu mes programmes qui sont en cours d'exécution en ce moment, j'en ai plein. Et il y en a un qui s'appelle. Alors, PS. Vous voyez, j'ai un programme qui s'appelle PROG1. Et son PID, vous voyez ici, c'est le 49864. Donc, en fait, si je fais un kill int 49 000, alors attendez, je crois que c'est tiret S. Quand on lui donne son nom, c'est tiret le nom, voilà. Donc, man tiret kill, non, int, pardon, je m'embrouille, kill tiret int, espace, donc on a dit le PID, je m'embrouille, kill tiret int, avec le PID 49864. Si j'appuie sur Entrée, boum, vous voyez que la fenêtre, là, mon programme 1, il s'est éteint. Si je le relance et que je refais ça, bah, vous voyez, là, il ne se passe rien parce que pour le moment, je n'ai pas un processus. Mon processus, là, il a changé de numéro. Là, maintenant, c'est le 50546. Si je remets ici kill-int 50546, vous voyez, hop, mon programme en arrière-plan, il a réussi à se quitter. Donc ce que je voudrais faire, je vais modifier un peu ce programme pour pouvoir éviter de tout le temps faire un PS pour savoir quel est le numéro du PID de mon programme. En fait, un programme, il peut lui-même connaître son propre PID. Et la fonction, pour pouvoir la connaître, bah, elle n'est pas très compliquée à retenir, elle s'appelle tout simplement getPID. PID, évidemment, c'est pour Process ID. Okay? Donc pour pouvoir utiliser cette fonction, il faut un include de UniStD, donc ce que je vais faire ici. Et cette include de UniStD, on est capable de trouver le PID d'un programme. Alors ce que je vais faire ici, je vais rajouter Hello à vol V8. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un texte. Ok. Et pour ajouter un texte, il me faut une fonte. SF font. Donc on est capable d'écrire du texte avec la SFML, mais pour créer du texte, il faut qu'on puisse d'abord accéder à une fonte. Donc là, j'ai téléchargé une fonte assez connue qui est Arial, Create from File. Donc là, je lui passe l'adresse, enfin le chemin vers cette fonte-là. Donc là, je vérifie que ma fonte existe. Donc là, c'est ma ressource de police de caractère. Et puis là, je m'assure que mon texte, il est bien créé aussi. Alors, comme je crée des fontes et des textes, je pense bien à les destroy à la fin. Texte. Mince. Je m'embrouille dans mes raccourcis. SF font. Destroy. Et. Ok. Donc là, je suis là. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que mon texte, je vais lui dire que je lui associe. Donc texte set font. Machin. Donc je lui dis que. Le texte que je vais écrire va utiliser la fonte que j'ai déclarée en haut. Donc le texte, il va être écrit. Je veux que ça écrive avec cette fonte-là, Arial. Et là, texte set string. Et le SF text set string, en fait, ça prend un pointeur sur un SF text. Et puis,
la chaîne de caractères que je souhaite écrire. Ok. Je relance mon programme. Alors, cette fonte, évidemment, ça prend deux arguments. Cette string ici, nanana, ah oui. Et puis, ici, il faut que j'affiche under window draw text. Donc ça, ça prend une window, ça prend un texte, et puis ça prend des paramètres que je mets à nul par défaut. Ok. Donc là, je relance, et vous voyez que là, j'ai réussi à afficher Hello World. Moi, ce que je voudrais, c'est pas que ça affiche Hello World ici. Ce que je voudrais, c'est que ça affiche le numéro du PID du programme. Donc vous voyez, ici, je peux toujours pas ressortir parce que j'ai commenté ma gestion d'événements. Donc ce que je vais faire, je vais me créer une fonction que moi, je crée assez souvent, en fait, quand je fais des debugs ou des trucs du style. C'est je vais créer une fonction qui n'existe pas dans la SFML. Enfin, peut-être qu'elle existe, mais je ne l'ai jamais trouvée. C'est setFormatString. Donc, ça prend... Elle ressemble à format. En fait, c'est une fonction qui mixe un peu printf et setString. Donc, je vais recopier un peu ça. Et en fait, ça prend un texte, ça prend un format et ça prend trois petits points. Et on va en profiter pour faire une fonction avec les... stdarg et stdio. Donc c'est une fonction qui va prendre un peu les mêmes paramètres qu'un printf, mais qui va les afficher dans mon sftext. Donc je vais déclarer un buffer string de 1024 caractères, et puis je vais initialiser un vlist, donc ap et FMT. Comme je l'ai initialisé, je pense bien à libérer les ressources qui ont été allouées ici. Et ici, je vais appeler une fonction qui s'appelle vsprintf. Vsprintf. Ok. C'est un printf qui va écrire le résultat du printf dans un buffer, en fait. Et qui a besoin des AP en paramètres. Donc vsprintf, ça va écrire, c'est un printf qui marchait avec ces éléments-là, mais où le résultat ne va pas être écrit dans la sortie standard, ça va être écrit dans un buffer. Et du coup, derrière, je vais pouvoir enchaîner ce truc-là avec le sftext setString de la SFML qui prend du coup un texte et la string associée. Donc ici... Je vais pouvoir mettre PID 2 points, pourcentage D. Et là, je vais faire un getPID. Vous voyez que la fonction getPID, ça renvoie un PID pointé. Et un PID pointé, ça n'est ni plus ni moins qu'un entier sur 32 bits. Si on regarde un petit peu, si on a le droit un petit peu si on regarde un petit peu ce que ça donne. Alors, est-ce qu'on a le droit d'utiliser sprintf dans notre code? Vous avez le droit d'utiliser que les fonctions qui vous sont autorisées. Donc, si vous l'avez codé, oui. Sinon, il faut la recoder, quoi. Alors, trop d'arguments dans l'appel. Ah oui. Du coup, là, c'est pas le setText, c'est celui-là. Voilà. Et là, je relance. Make. Voilà, donc là, maintenant, je me retrouve ici. Donc, maintenant, si je fais un kill de 50737... Alors, vous voyez, hein, pourquoi je fais ça? C'est parce que j'ai toujours désactivé le bouton, là. Donc, ce que je fais, c'est que je simule un CTRL-C, en fait, en faisant ça. C'est comme si je faisais un CTRL-C dans mon terminal. Hop, donc ça l'a éteint. Donc, ce que je propose dans un premier temps, c'est de recoder, en fait, cet utilitaire qui s'appelle kill. Et vous verrez que cet utilitaire qui s'appelle kill, il n'est pas très compliqué. Donc, on va le faire ici. Donc là, je vais créer un programme qui va fonctionner comme kill. Donc, argc, char, étoile, argv. OK. Et en fait, c'est un programme qui va prendre deux arguments. Le premier argument, c'est le numéro du signal qu'on va envoyer. Et puis, le deuxième argument, c'est le PID du programme vers qui on envoie ce signal-là. Alors... Je vais avoir besoin, et je vais utiliser une fonction qui s'appelle kill. Donc, quand on fait man kill, on tombe sur la page 1 de kill, et c'est l'utilitaire qui s'appelle kill accessible dans le shell. Mais si je regarde man2 kill,
Donc là, vous voyez que je suis sur la deuxième page du manuel, et cette fois-ci, on parle de la fonction en C, dans la libc, qui s'appelle kill, qui prend deux paramètres, un PID et un signal. Donc c'est cette fonction que je vais utiliser dans mon code. Alors, pour l'utiliser, j'ai besoin de signal. Ici, je vais vérifier que si argc il est différent de 3, bah, je retourne 84 par exemple. Ok. Et sinon, qu'est-ce que je fais? Je vais récupérer un PID T et puis un signal. D'accord? Et puis là, je vais faire un kill de PID signal. Okay. Sauf que là, ça, je vais aller récupérer ça dans mes argv. Et ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser une fonction qui s'appelle atoi. C'est une fonction qui permet de convertir une chaîne de caractères qui représente un nombre vers le nombre associé. C'est un get number en fait. Donc atoi de argv2. Et puis atoi argv1. Donc le premier argument, c'est le numéro du signal que je vais envoyer. Et le deuxième argument, c'est le numéro de l'identifiant vers qui j'envoie ce message. Ce signal, pardon. Donc là, je fais un make. Donc là, il me dit que la fonction n'est pas déclarée parce que je crois que ça doit être dans stdio. stdio.h. Hop. Non, c'est stdlib en fait ce truc. Ah oui, c'était stdlib en fait, pardon. Ok, donc là, j'ai mon programme prog2 là, qui fonctionne comme kill. Donc si je relance prog1, vous voyez que mon prog1, il me dit que c'est le 54 900, 944. Et là maintenant, si je lui fais prog2, donc si je lui envoie le signal, donc on avait dit que le sig kill, c'était le numéro 2, je crois. Le sig int, pardon, c'est le numéro 2. Donc je lui envoie le signal 2. Le signal 2, je l'envoie au processus dont l'identifiant est le 50 944. Et là, boum, vous voyez, ça réussit à s'arrêter. Si je lui envoie un autre type de signal, le 15 par exemple, le 15 c'est terme, ou le kill, le 9. Regardons ce qui se passe. Le 9 là, si je le kill. Non, bah vous voyez que là ça n'a rien fait parce que c'était pas le bon ID parce qu'il a changé entre-temps, de lancement. Là vous voyez que là mon terminal il m'indique autre chose. Il me dit que le programme il s'est quitté, mais qu'en plus il s'est quitté en se faisant kill. Là si j'envoie le numéro 15 cette fois-ci, il va me dire que le programme il s'est quitté en faisant une terminaison. Il a reçu terminate. Donc vous voyez en fait. On est capable d'envoyer des signaux à des programmes, et les programmes qui ont lancé. Enfin, je suis capable d'envoyer avec prog2 un signal à prog1, et le programme qui a lancé prog1, à savoir mon terminal, lui, il est capable de savoir comment prog1 s'est terminé. Est-ce qu'il s'est terminé de façon normale? Est-ce qu'il a été kill? Est-ce qu'il a été terminé? Etc. etc. Est-ce qu'il a eu un segfault? Est-ce qu'on peut simuler un segfault? Je ne crois pas que ce soit possible, je vais juste voir. Comment est-ce qu'on peut trouver. Bah, je regarderai plus tard, c'est pas grave. Mais toujours est-il que voilà, on est capable d'envoyer. Il y a des programmes qui sont capables de communiquer entre eux en s'envoyant des signaux. Donc ce qui se passe, c'est que par défaut, lorsque les programmes reçoivent ces signaux de terminaison, de kill, etc., ou d'interruption, et ben par défaut, ils s'arrêtent. Mais ce que je voudrais, c'est de me dire, bah. Ok, j'ai oublié de mettre mon. Imaginons que je remette ce truc-là. Donc là, j'ai mon programme qui se remet à marcher comme il le faisait avant. Ok? Si je fais un CTRL-C, imaginons que l'utilisateur il appuie pas sur échappe ou sur le bouton. Il revient ici. Imaginons que j'appuie sur CTRL-C ici. En fait, il y a un truc qui va m'enquiquiner si je fais un CTRL-C directement dans le terminal sur ce programme. C'est que vous voyez ici, lorsque je fais un CTRL-C, probablement que mon programme se trouve. Par ici, il est dans ma boucle. Donc il est en train de faire ces genres de choses. Donc au moment où je vais faire un CTRL-C, je ne vais pas forcément. Enfin, je ne vais pas cleaner tout ça là. Les ressources qui ont été allouées par le système à créer une fonte, un texte, une window, etc. Ça ne va pas être rappelé. Regardez là, si je mets un printf ici, et que je mets all resources.
Voilà, on va admettre. Voilà, j'étais pas trop sûr de mon anglais. All resources destroyed. Vous voyez que lorsque je vais relancer, donc là je relance mon programme. Lorsque j'appuie sur échappe ou que j'appuie sur le bouton ici, vous voyez que j'ai bien réussi à obtenir la ligne 62. La ligne 62, elle s'est bien écrite. Donc lorsque je quitte Fluid, je savais pas trop, j'étais pas trop sûr Ordos, donc dans le doute, je me suis dit je vais mettre ça et puis voilà quoi. Donc lorsque j'envoyais, lorsque je clique sur le bouton pour refermer le programme ou que j'appuie sur la touche échappe, vous voyez que mon programme, il a réussi à se quitter entre guillemets proprement, parce qu'il a libéré toutes les ressources qui étaient allouées. En revanche, lorsque je fais ça et que je fais un CTRL-C, et ben là, le programme, il s'est arrêté et je ne suis pas venu à la ligne 62. Donc moi, je me suis arrêté, très certainement, le programme, il s'est arrêté dans cette boucle événementielle. Il se trouve qu'on est capable aussi de capturer un signal. On est capable de savoir si le programme courant est en train de recevoir des signaux et comment est-ce qu'il doit gérer cette situation. Donc pour pouvoir gérer ce truc-là, il y a une fonction qui s'appelle signal. Alors attendez, je vais utiliser le man Linux parce que le man Mac, il est un petit peu différent. Donc on a une fonction signal. Une fonction signal qui est capable elle est capable d'accrocher une fonction à un type de signal. Je suis capable de dire bah, tous les signaux qui auront le numéro bidule, lorsque ça arrive, eh ben, je veux que tu me lances cette fonction-là. Donc les choses qu'on est capable de mettre ici, donc là, soit on met des fonctions que nous on définit, donc ces fonctions sont des fonctions qui prennent des entiers et qui ne renvoient rien, et on est capable d'attacher soit les fonctions ignore et default, qui sont les fonctions qui vont ignorer ces signaux ou qui vont avoir le comportement par défaut, ou alors on est capable d'en créer nous-mêmes. Donc regardons un petit peu ce qui se passe si j'ai envie de faire en sorte que le programme ne quitte pas lorsqu'on fait un CTRL-C. Donc pour empêcher le programme de quitter quand on fait un CTRL-C, je vais lui dire, eh ben écoute, lorsque tu reçois, donc lorsqu'il y a un CTRL-C qui se passe, le signal qui arrive, c'est le signal d'interruption. C'est le signal qui s'appelle SIGINT. Ok? Eh ben, je vais dire au système, lorsque il y a ce signal qui arrive, eh ben t'es gentil, je veux juste que tu l'ignores. Donc là, on regarde, vous voyez que là, on a une fonction par défaut qui est définie. Je lui dis, lorsque l'interruption arrive, je veux juste que tu fasses rien. Merci problématique pour ton follow. Donc, recompilons cette affaire. Donc là, je suis toujours capable de sortir en faisant des échappes ou des trucs comme ça. Mais regardons maintenant ce qui se passe. Là, je vais faire des CTRL-C. Et vous voyez que là, je ne suis plus capable de quitter mon programme en faisant un CTRL-C. Parce que lorsque je fais un CTRL-C, j'envoie le signal SIGINT à mon shell, il envoie le programme SIGINT à prog 1. Sauf que prog 1, il a dit, bah, quand tu reçois SIGINT, tu fais rien. Tu skips le truc. Donc le seul moyen maintenant que j'ai de ressortir, enfin l'un des moyens, c'est d'appuyer sur la touche échappe ou d'envoyer un sig term ou un sig kill ou quoi que ce soit. Donc là, j'ai décidé d'appuyer sur ma touche échappe. Mais imaginons, je peux aussi dire, bah, moi en fait, quand l'utilisateur il appuie sur CTRL-C, je veux qu'il y ait le même effet qu'un render window close en fait. Donc ce que je vais faire ici, bah, je vais déclarer, je vais dire que ma window finalement c'est une variable globale. Et regardez ce qui va se passer. Donc là, j'utilise une variable globale pour les besoins de l'exemple. Parce qu'en fait, vous allez comprendre pourquoi est-ce que j'ai besoin de cette variable globale. Donc, can you help me implement a semaphore? Bring back you maybe one day, but not now. But one day we will do some exercise about semaphore. Donc on s'est dit que voilà le signal. Vous voyez que signal, ça prend en premier paramètre le numéro de la comment dire. Ça prend en paramètre le numéro du signal qu'on a envie de capturer. Et le deuxième paramètre, c'est un pointeur sur une fonction qui est capable de gérer ce signal-là. Donc cette fonction, je vais l'appeler myHandler.
Ok. Et puis, ce my handler. Il va capturer le signal. Donc là, par défaut. Merci, Magicus. Donc, pourcentage D. Hop. Regardez un petit peu ce qui va se passer maintenant. Donc, maintenant, je vais lui dire ce que je veux. Lorsque tu fais un contrôle C, je veux pas que tu lances le truc par défaut. Je veux que tu lances mon handler à moi. Ok? Alors, variable globale égale faute de norme. Non. Variable globale égale il faut pouvoir le justifier. Donc là, pour le coup, c'est non, FBI. T'as entendu sémaphore, t'as peur, c'est quoi? Une sémaphore, c'est quelque chose qui permet à deux programmes de se synchroniser en fait. Donc parfois, lorsqu'on a des programmes qui se lancent en parallèle, on a besoin que ces programmes se coordonnent pour accéder à des fichiers ou à des ressources ou faire du calcul ensemble. Et pour pouvoir faire en sorte que ces programmes se synchronisent, on a besoin d'utiliser des fonctionnalités. Et la sémaphore est une de ces fonctionnalités en fait. Donc là, ce que j'ai dit maintenant, c'est je dis, j'utilise la fonction signal pour dire au programme, à partir de maintenant, lorsque tu reçois un contrôle C, bah, ce que je veux, c'est pas que tu l'ignores, ce que je veux, c'est que tu me lances cette fonction-là. Donc regardons un peu ce qui se passe. Donc maintenant, je fais des contrôle C, et voyez qu'à chaque fois que je fais un contrôle C, bon, il y a le contrôle C de ma console qui s'affiche, mais il y a mon programme qui répond. Le numéro 10 signal. Et le 2, c'est bien le sig, c'est bien le sigint. Et ben moi, ce que je vais lui dire, c'est que bah, quand tu reçois ce signal-là, lorsque tu reçois ce signal, et ben moi, je veux que tu me dises. Je veux que tu me dises quoi? Bah là, au moment où je le reçois, et ben moi, je veux juste fermer la fenêtre proprement, en fait. Donc je vais dire à ma fenêtre de se close proprement. Hop, pardon. Donc là, je suis en train de faire des contrôles C, mais ça ne sert à rien parce que. Donc là, je relance. Et maintenant, je relance mon programme. Et si je fais un contrôle C, ça n'a pas fonctionné. Alors, je vais faire autre chose. Je vais faire autre chose. Oui, en fait, j'ai dû close une window, sauf que certainement que cette window, elle était en cours d'utilisation. Donc, en fait, je vais faire un autre truc. Je vais faire un autre truc. Dans mon exemple que j'avais préparé, j'avais pas fait ça. Je vais faire un autre truc. SF3. Donc, je mets une variable global running qui est égale à true par défaut. Et en fait, cette variable running, je vais faire un truc du style if running égale false, et bien là, je vais close ma window. Donc, je reviens ici, je fais CTRL C. Et vous voyez que qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait un contrôle C. En faisant contrôle C, ça a déclenché l'appel à cette fonction. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Le programme, il est en train de s'exécuter. Un signal arrive. Le programme se met en pause à l'endroit où il se trouve. Alors, il peut être là, il peut être là, il peut être là. On ne sait pas trop où il se trouve. Nous, on sait qu'il se trouve entre la ligne 50 et la ligne 70 parce qu'on sait qu'on est dans cette boucle. Mais à un moment donné, le système d'exploitation va juste stopper ce truc-là et il va lancer cette fonction. Cette fonction, elle va mettre à jour mon booléen, là, ma variable globale. Et une fois que ça a été mis à jour, le programme reprend son exécution là où il en était. Et lorsqu'il reprend son exécution là où il en était, je ne sais pas exactement où est-ce qu'il est. Tout ce que je sais, c'est qu'à un moment donné, on va finir par rentrer sur la ligne 61. Et sur la ligne 61, je compare si ce running il est égal à false. Et si c'est égal à false, alors je fais en sorte que le programme il ait le même comportement que. Lorsque je clique sur le bouton fermé ou lorsque j'appuie sur le bouton échappe, à savoir je close la window. Et puis après il finit de faire tout ça, ok, et il revient ici et le while bah, il interroge sur le fait que la window est ouverte. Le programme lui dit non parce que là je viens de le fermer justement ligne 62 parce que la variable running elle est passée à false. Et donc je sors de ma boucle, je détruis bien toutes mes ressources que j'ai allouées depuis le début et là
je finis par afficher le bon programme qui me certifie que mes ressources ont bien été libérées et donc que j'ai quitté le programme proprement, quand bien même j'avais appuyé sur CTRL-C. Et vous voyez que tout à l'heure, lorsque j'ai appuyé sur CTRL-C, lorsque j'ai tout à l'heure, j'avais ce fonctionnement-là. Hop, alors attendez. Plutôt que de mettre running à false, j'ai utilisé une stratégie qui était de close la window. Alors attendez. Imaginons que je revienne. Voyez que là, j'ai un segfault en fait ici. Là encore un segfault. Là j'ai un autre truc. Bon, a priori c'est encore pire. Et vous voyez que, en fait, souvent je me retrouve dans des situations un peu pourries. Pourquoi? Parce qu'en fait, si je prends cette décision-là de fermer la window ici, ça c'est quelque chose, techniquement c'est possible, je peux appeler cette fonction, mais en fait, le programme, lorsque l'interruption arrive, lorsque mon CTRL-C y arrive, mon programme, il est en train de faire un truc comme ça. Donc si ça se trouve, je suis le. On était en train de dérouler l'algo du clear. Donc là, le programme, il arrive. On imagine bien que dans clear, il va aller chercher chacun des pixels et les 7 à bleu les uns derrière les autres. Donc des pixels, il y en a quand même plusieurs à mettre. Et puis il est en train d'update le 29e pixel. Et là, l'interruption arrive. Donc le système d'exploitation met tout en pause. Et il déroule. Ce SF Render Window Close, donc la fenêtre se ferme, et une fois que la gestion de cette fonction est finie, le système d'exploitation remet le programme dans son exécution initiale. Et son exécution initiale, c'est il essaye de dessiner bah, finalement dans le 30e pixel, dans le 31e, dans le 32e. Sauf que là, on vient de close la window, et là, parfois, il peut y avoir des bugs, en fait. C'est-à-dire qu'on s'est arrêté pile poil au milieu d'une fonction qui a besoin d'une ressource, et cette ressource, si on l'a libérée pendant l'utilisation de cette fonction, et ben là on se retrouve dans cette situation où là ça plante. Donc, moi ce que je vous conseille, c'est plutôt que de fermer des trucs directement là-dedans, bah utiliser ces gestionnaires de signaux pour mettre à jour des variables que vous maîtrisez. Et une fois que vous avez mis à jour ces variables que vous maîtrisez, bah vous les prenez en compte. Vous prenez en compte cette gestion-là à l'intérieur de votre programme pour pouvoir faire le fonctionnement que vous attendez. Merci pour Adam et Trou pour le follow. Donc, je remets ça comme c'était. Donc voilà un exemple d'utilisation des signaux pour pouvoir faire en sorte que des programmes puissent communiquer les uns avec les autres et savoir quoi faire lorsque un programme de l'extérieur nous envoie un signal. Donc là, a priori. Lorsqu'on a envie d'envoyer des signaux à un programme extérieur, la fonction qu'il faut utiliser, on est plutôt sur la fonction signal, la fonction kill, pardon, la fonction kill qui prend le signal que l'on cherche à envoyer et l'identifiant du programme à qui on souhaite communiquer ce numéro de signal-là. Et le programme qui reçoit ce signal-là, il faut qu'il puisse indiquer au système d'exploitation bah, que se passe-t-il lorsque je reçois tel signal. Il se passe que je vais déclencher telle fonction, et puis après, il vit sa vie, et au moment où il recevra ces signaux-là, le système d'exploitation mettra en pause l'exécution standard du programme, et il lancera la fonction qui est juste associée. Et puis des signaux, vous allez voir qu'en fait, il y en a plein que vous allez être capable de catcher. Il y a des signaux, typiquement, si je fais... Il y a des signaux qu'on va pouvoir attraper entre guillemets, mais il y a des signaux qu'on va pouvoir attraper mais qu'on va pas pouvoir gérer. Je vous donne un exemple. Imaginons que, alors comment s'appelle ce signal? Ça doit être kill en fait. Vous voyez que le signal 9, c'est un signal qui est non catchable. Donc on peut pas on peut pas le capturer. Regardons un peu ce qui se passe lorsque je fais ça. Donc si je fais un seek kill, donc j'ai dit quand ce signal arrive, je veux que tu le captures et que tu m'envoies ce truc-là. Donc, j'affiche ça. Et puis là, je vais faire un kill moins 9 de 51 585. Vous voyez que j'ai demandé à ce programme-là d'envoyer le signal 9 à mon prog 1. Et vous voyez que mon prog 1, il s'est fait kill sans jamais être rentré dans cette fonction.
C'est un des signaux qui peut pas être catché. Je vais vous montrer un autre truc. Il y a un signal que vous connaissez, qui est le SIGSEV. Donc c'est lorsque vous avez lorsque vous touchez une adresse en mémoire en lecture écrite ou en écriture alors que vous n'avez pas le droit de le faire, et ben ça vous envoie ce fameux segmentation fault. Donc imaginons que à chaque fois que j'appuie sur la touche échappe space, d'accord, ce que je vais faire, c'est que je vais déclarer un pointeur étoile bug, ok, qui est égal à nul. Pardon. Et puis, dans mon bug crochet 0, je vais lui mettre la valeur 0. Vous voyez que ici, je vais tomber sur une erreur de segmentation. Pourquoi? Parce que en fait, bug, il initialisait à nul, donc il pointe sur une adresse en mémoire dans laquelle j'ai pas le droit d'écrire ou de lire. Donc, regardons un peu ce qui se passe. Lorsque je suis ici, si j'appuie sur la touche espace, vous voyez que là, il me dit qu'il y a un seg fault. D'ailleurs, pour s'en convaincre, si je rajoute fsanitize égale adresse, tiré G3, donc là, je vais appuyer sur ma touche espace, mais il me dit que là, il y a eu un seg fault et que le seg fault, il arrivait ligne 63. Et ligne 63, c'est bien celle-là. C'est bien cet endroit-là où j'ai ma ligne 63. Maintenant, je me dis, bah, ce que je voudrais faire, c'est capturer en fait ce signal-là pour éviter que mon programme crache si jamais il y a eu un problème. Des fois, vous le voyez en fait lorsque vous avez un programme qui plante. Parfois, le programme, plutôt que de se fermer, ça ouvre une pop-up qui vous dit il y a une erreur, machin, je sais pas quoi, je vais redémarrer le programme. Ça, c'est quelque chose qui peut se faire, mais pouvoir le faire, il faut pouvoir catch en fait ce signal. Et si je catch ce signal, donc si je fais un sigsev machin, donc je suis ici, vous voyez que je vais revenir là, alors attendez, hop, donc je refais mon make, je vais appuyer sur la touche espace, et là en fait qu'est-ce qui se passe? Vous voyez que, donc là j'ai fait un suspend, là je fais un contrôle Z, vous voyez que je tombe tout le temps sur cette ligne 11. Alors, attendez. Comment s'appelait ce programme-là? 51 749. Ok. Je vais juste faire un pipeless ici. Donc là, j'appuie sur espace. Et vous voyez que ça me fait plein de sig 11. Pourquoi est-ce que ça fait plein de sig 11 ici? Alors, attendez. 51 783. Ok, hop. Pourquoi est-ce que ça me fait plein de sig 11? Parce qu'en fait, le programme, qu'est-ce qu'il fait? Il arrive ici, il lance la ligne 73, la ligne 63, pardon, et il est en train d'exécuter cette ligne, et il se trouve qu'en exécutant cette ligne, le système d'exploitation dit, ça, c'est pas possible, c'est une zone de mémoire, on ne peut pas y toucher, et donc, du coup, il faut qu'on puisse... on envoie un signal. Ce signal, qu'est-ce que moi je vais pouvoir faire à travers ce signal? Je pourrais éventuellement fermer des ressources, etc. Mais il se trouve que lorsque je ressors du signal, eh ben, je vais finir par retomber sur cette ligne-là, en fait. Et il va réessayer de faire la ligne 63, et la ligne 63 ne marche pas, et donc du coup je vais faire que des allers-retours entre la ligne 63 et la ligne 20, en fait. Donc un des trucs, alors je ne sais pas si ça pourrait marcher. Essayons de faire ça. Que se passe-t-il si je lui dis que... Donc ici, c'est if sig égale sig save. Si je lui dis que bug, c'est égal à malloc de 1. De 10, on s'en fiche. Et là, je pense qu'il me manque stdlib. Hop, donc j'appuie sur mon espace. Ah oui, non, ça ne peut pas marcher en fait. Ça ne peut pas marcher parce que. Ok, en tout cas, je sais qu'on peut capturer les segfaults.
Un moyen de les gérer, c'est en utilisant des set jump, long jump, mais je vous montre à titre d'exemple, mais c'est quelque chose que vous n'allez pas forcément avoir besoin d'utiliser. Mais bref, peu importe. Non, je vais pas, je vais m'arrêter là en fait, parce que le fait de capturer des segmentation faults et de les traiter, c'est aussi quelque chose qui est possible de faire, mais qui nécessite qu'on utilise des fonctions auxquelles vous n'avez pas forcément le droit en fait en première année, donc ça n'a pas vraiment d'intérêt que je vous les montre ici, mais en tout cas, toujours est-il que on peut capturer ce genre de signal et essayer de tenter de faire quelque chose là-dessus. Là, typiquement, on pourrait se dire, bah, dans un fichier de log, je log le fait que là, j'ai une erreur là-dessus. Et puis, derrière, je peux essayer de la traiter ou redémarrer le programme. Pour redémarrer le programme, ça nécessite l'utilisation de fonctions que vous allez voir un peu plus tard dans le... Le bug est remis à chaque fois que tu appuies sur espace. Bah, en fait, il essaye d'exécuter cette ligne. Et la ligne 67, tant qu'il a pas fini, il est en train d'exécuter cette ligne et elle n'arrive pas à s'exécuter en fait. Donc je pense qu'il fait des allers-retours dessus. Je me suis dit que j'allais essayer de contrer le fait que la ligne 67 ne marche pas en modifiant la valeur de bug. Mais en fait, il est déjà trop tard, je pense, à ce moment-là. Et pour pouvoir utiliser les trucs, je pense. Mais si, il est juste nul. Oui, mais il est nul avant. Mais ici, j'ai essayé de le remettre à pas nul en fait. Si je fais ça, Bugs, il est pas nul ici. Alors c'est peut-être ça que j'aurais dû commenter. Hop, oui, non, ça change rien. Non, mais pour pouvoir gérer cette situation, il faut plutôt des set jump, long jump. Mais bon, c'est quelque chose que vous allez faire plus tard. Mais en tout cas, pas aujourd'hui, quoi. Donc là, en fait, l'idée du jour, c'était plutôt de voir un peu comment est-ce que ces programmes pouvaient communiquer ensemble en utilisant des signaux. Donc je vous rappelle, pour qu'un programme envoie un signal à un autre programme, j'utilise la fonction kill. Okay. Donc la fonction kill, je vous rappelle, elle prend le numéro, l'identifiant du programme vers qui on veut envoyer le signal et le numéro du signal qu'on souhaite lui envoyer. Et de l'autre côté, le programme, lui, il est capable de mener des actions lorsqu'il reçoit certains types de signaux. Donc il y a des types de signaux qu'il ne peut pas intercepter, typiquement le seek kill. Là, le numéro 9, là. Donc, il y a des signaux qui sont pas catchables, d'accord, le numéro 9. Mais il y a d'autres signaux qui sont capables d'être catchés et qui, une fois qu'on les catch, bah, on peut mener des actions dessus. Typiquement, ici, je me dis, bah, lorsque je reçois un contrôle C, ce que je voudrais, c'est fermer mon application proprement. Donc, lorsque je reçois un contrôle C, plutôt que d'avoir le fonctionnement par défaut, à savoir, bah, ça arrête le programme, et ben là, non, je mets une valeur booléenne à false, pour lui dire que le programme il est plus en train de s'exécuter, que je récupère une fois que je sors de mon signal dans ma boucle événementielle, qui va se charger de refermer la fenêtre, qui une fois fermée va ressortir de ma boucle de jeu, qui va me permettre de libérer mes ressources proprement. Donc voilà un peu une utilisation des signaux qu'on peut faire. Donc les deux fonctions à retenir, c'est la fonction kill et la fonction signal. Donc j'espère que ça a été clair pour vous là-dessus. Et voilà, en tout cas, commencez à utiliser un peu ces fonctions, à lire les manuels en détail, vous allez voir des choses assez intéressantes en fait là-dessus. Pensez bien à utiliser les pages 2 du manuel, donc man 2 kill et man 2 signal, pour voir les vraies informations. Non, c'est pas man 2. C'est man 2 signal. Non, c'est man signal. Si, c'est man 2 signal. Parce que là, c'est mes man Linux. Donc, sous Linux, c'est le man 2 signal. Donc, vous avez l'explication de la fonction. Le man 2 kill, vous avez l'explication de ce que fait cette fonction aussi. Et le man 1 kill, c'est le programme qui s'appelle kill que l'on peut lancer en bash, qui fait comme la fonction, mais sauf que là, c'est un programme qui envoie un signal, un PID, mais cette fois-ci en ligne de commande plutôt qu'en programmation C. Donc, voilà. Mais écoutez, j'espère que ça a été clair pour vous. Et puis bah, n'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez des questions là-dessus. Et puis pour répondre à Bring Back You, on aura l'occasion de faire des sémaphores un peu plus tard, en tout cas dans les quelques semaines pour les Tech 2. Et si vous voulez suivre vous ces événements-là, bah, vous pourrez le faire aussi en revenant sur le stream, quoi. Bien, écoutez, je vous remercie. Et puis j'espère que vous allez passer une bonne après-midi. Et moi, je vous dis à demain. Allez, ciao, ciao!